I2S Consulting. Bonjour, je voulais vous présenter mon exemple de fiche descriptive ou métadonnées de l'indicateur. Avant de présenter le modèle, j'aimerais donner la définition de l'indicateur. Un indicateur est un outil idéal de calcul objectivement vérifiable de l'évolution d'un programme /projet /action /activité conformément à ce qui est planifié. Les indicateurs sont définis dans un document appelé fiche descriptive ou métadonnées de l'indicateur. Cette fiche contient l'ensemble des caractéristiques de l'indicateur telles que le nom de l'indicateur, unité, les cibles et beaucoup encore que nous allons voir dans la présentation du modèle. Nous allons commencer maintenant à présenter le modèle de fiche descriptive ou métadonnées de l'indicateur qui commence par numéro désigne le numéro de l'indicateur, programme désigne code et nom du programme, action désigne nom de l'action auquel il se rattache, objectif désigne numéro et intitulé de l'objectif auquel il se rattache, structure désigne le nom de la structure, intitulé de l'indicateur désigne quel est le nom de l'indicateur. Définition désigne quelle est la définition de l'indicateur. Couverture géographique désigne quelle est la couverture ou limite géographique de l'indicateur. Périodicité de publication désigne quelle est la fréquence de publication de l'indicateur. Annuel, semestriel, trimestriel, mensuel. Pertinence désigne. Ici, on répond à la question pourquoi, quoi et quand choisir l'indicateur pour le service. Dernière, l'objectif, quel enjeu pour le service. Formule de calcul désigne quelle est la formule de calcul de l'indicateur. Unité de mesure désigne quelle est unité de mesure de l'indicateur. En nombre, kilomètres, kg, pourcent. Désagrégation désigne quelles sont les désagrégations de l'indicateur. Les indicateurs doivent souvent être ventilés à un niveau où il est le plus significatif, par exemple, selon le sexe, l'âge, les zones urbaines et rurales, etc. Source de vérification des données désigne quel document constitue une source de vérification des données de l'indicateur. Source de production des quelle est la structure productrice de l'indicateur. Données désigne échéance désigne quelle est la période de mesure de l'indicateur. Méthode désigne quelle est la méthode utilisée pour renseigner l'indicateur. Valeur de référence désigne quelles sont les valeurs de référence de l'indicateur au début de la période de planification. Valeur cible désigne quelles sont les valeurs attendues après l'achèvement du plan. Restitution / présentation des résultats désigne comment les résultats sont restitués et présentés. Diffusion désigne à qui les résultats sont destinés.